Nous avons fêté notre indépendance avec beaucoup de fierté. Beaucoup, beaucoup de fierté. C'était beau, c'était joli et c'était magnifique. Vous savez pourquoi c'était magnifique? Parce que c'est tous les enfants de la Guinée qui étaient là ce jour, qui étaient au rendez-vous et qui ont fêté cette fête avec beaucoup de fierté. Il n'y avait pas d'ethnie. Il n'y avait pas un problème d'ethnie, non. Tout le monde était là au rendez-vous pour fêter cette indépendance. Mais vous savez pourquoi nous sommes en train de fêter ça aujourd'hui? C'est parce que tout simplement, les fils et les filles de cette nation se sont donné la main en 1958 pour dire non au colonialisme. Eux, ils se sont unis, ils nous ont laissé un héritage digne de nom. C'est à nous maintenant de protéger cet héritage. C'est à nous maintenant de bâtir cette nation. On ne peut pas bâtir cette nation si nous sommes divisés. On ne peut pas bâtir cette nation si on se laisse manipuler par les politiciens qui ne cherchent que leur gain. On ne peut pas bâtir cette nation. Même si vous prenez tous les grands présidents du monde entier, vous les ramenez, vous composez un gouvernement avec eux, si les fils de ce pays ne sont pas unis, ne se donnent pas la main, ne décident pas ensemble de construire cette nation, on ne peut pas la construire. On ne peut pas la construire. Jamais. Donc, donnons-nous la main, aimons-nous et soutenons-nous. Ne soyons pas un instrument pour les politiciens. L'ethnocentrisme, c'est une faiblesse pour des personnes qui sont très faibles, qui se cachent derrière leur ethnie. Ce sont des personnes faibles. Au lieu de se cacher derrière une ethnie, cachez-vous, au lieu de se cacher derrière une ethnie, cachez-vous derrière une nation unie. Quand une nation est unie, vous verrez qu'on peut faire beaucoup de choses. On peut développer ce pays, on peut grandir ce pays parce que nous avons tout, tout, tout. Nous sommes l'un des pays les plus riches. Les plus riches. Mais on n'arrive pas à l'exploiter parce que nous ne sommes pas unis. Nous avons la tendance à donner la faute au président, aux différents chefs qui sont venus à la tête de cette nation. Mais ce n'est pas seulement eux la faute, non, c'est nous aussi. Toutes les ethnies de la Guinée sont valeureuses et sont très importantes. Mes frères et sœurs, aimons-nous, soutenons-nous, donnons-nous la main. C'est ce qui peut nous faire profiter de notre pays. Bannissons l'ethnocentrisme et donnons-nous la main afin qu'on puisse développer ce pays. C'est votre frère Nabi Cissé de la Voix 224. Je vous adore et merci à plus.